Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire prépare le plan national de développement PND 2021-2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La planification a permis à la Côte d'Ivoire, dès les indépendances échafaudées, d'élaborer et animer son développement économique, social et culturel. L'avènement de la gouvernance de son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le retour de cette pratique à travers les plans nationaux de développement de 2012 à 2015 et 2016 à 2020. Les résultats sont probants. Les acquis, notamment en matière de stabilité macroéconomique, les acquis en matière de développement des infrastructures, les acquis en matière de politique de transformation, notamment industrielle, transformation des matières premières, les acquis en matière de développement social, notamment au cours de ces deux dernières années avec le programme social du gouvernement. Plusieurs autres retombées positives à souligner sur les 9 ans, le taux de croissance de l'ordre de 9% sur la période de 2012 à 2015 et de 7% de 2016 à 2020. Or, les nombreux chantiers de développement et les réformes pour un environnement des affaires attrayant, de nombreux défis restent à relever pour asseoir un développement équilibré. Ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'électricité, l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorera ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Un ciblage de défis à relever salué parce qu'il coïncide avec la vision du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, sur la période 2020 à 2030. La plupart de ces défis sont en concordance manifeste avec les problématiques identifiées par le système des Nations Unies pour le Développement. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'amélioration de sa productivité, le financement de l'économie à travers une plus grande mobilisation des ressources nationales et intérieures, le développement urbain et rural et le développement des infrastructures structurantes sont des défis répertoriés dans le bilan commun de pays que le système des Nations Unies pour le Développement vient de réaliser en vue de la préparation de notre futur cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. Cette conférence a rassemblé des experts nationaux et internationaux avec pour but s'accorder sur les piliers du développement durable en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.